Bonsoir chers tous, et bienvenue dans ce direct qui va être très très court. Donc faites un maximum de partage, je ne vais pas rester longtemps. Faites un maximum de partage. Il n'y aura pas de musique. Bonsoir à toi, brave combattante Justine Boukam. La stratège de l'alternance, c'est Camto. Bonsoir à toi. Rosine Mevako, bonsoir à toi. Blandine Wanin, bonsoir. Neuilly Cameroun, bonsoir. Faites un maximum de partage, je ne vais pas être long. Vous pouvez inviter mon grand frère ou mon tonton, comme il m'a dit hier, Collins Nana, qu'il puisse venir. Vous pouvez le biper. Je ne suis pas sûr que je suis encore ami avec lui, mais il peut venir en faux profil. Dès qu'il en fait un profil, je vais le prendre, parce que j'ai un débat contradictoire avec lui ce soir. Bonsoir à toi, Antoine, Marie. Bonsoir. Faites un maximum de partage. Dans deux minutes, on commence. Bonsoir, New York Cameroun. Bonsoir. Vous pouvez biper, Colis Nana, il peut venir en faux profil, hein, il n'y a pas de souci. Il peut venir. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore amis. Vous pouvez le biper, même en faux profil, qui vienne, qui m'écrive un message, je vais le prendre. On a un débat contradictoire. Laurentine Kenju, bonsoir à toi. Yves Yemga, bienvenue dans ce direct. Bonsoir. Joseph Diki, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Faites un maximum de partage. Je ne vais vraiment pas être lent. À partir de 200, on va commencer. Alors, vous partagez rapidement. Je ne vais pas être lent. C'est un samedi, pas très, très. C'est un vendredi, pas très, très joyeux. Donc, je ne vais vraiment pas rester longtemps. Faites un maximum de partage. Yumbi Elise, bonsoir à toi. Comires, le stratège, bonsoir à toi. À partir de 200, on commence. Donc, vous faites rapidement un partage. À 200, je commence. Invité Colise Nana, Chamka Romain Michael, bonsoir à toi. Josiane Ducam Sinkam, bonsoir à toi. Vous pouvez biper Colise Nana, qui ne s'échappe pas, qui vienne et qui m'apporte deux arguments ici. À partir de 200, je commence. Je suis un homme de parole. À 200, je commence. Donc, vous faites un maximum de partage. Il y a 160 personnes que je vois. Vous faites un tout de partage. Et à 200, je commence. J'en ai pas pour longtemps. Valet, Tchadi, bonsoir à toi. Étienne Noubi, bonsoir. Partagez dans les groupes. Il y a 200, je commence. Invitez Colise Nana qui puisse venir. Harmonie Sakia, bonsoir à toi. À partir de 200, je commence. Bipez-moi Colise Nana qui puisse arriver. Dès que Colise Nana est là, vous me dites qu'il vienne en faux profil. Exactement, Justine Boukam. C'est argument contre argument. Dès qu'il a Colise Nana, vous me dites, il y a 190 personnes là. Voilà, encore 10 personnes et puis on commence. Bonsoir à toi, la princesse de la Révolution, Aïssatou, Fadil, Bouba.
Aïssa Toubouba Dalil, bonsoir à toi, brave combattante. La fille, la princesse du président Kamto. Intouchable dans la diaspora, toi-même tu sais. Mon frère, Banganté, la métis suisse, bonsoir à toi. Oudita Collins, non, il peut venir en faux profil. J'ai pas un problème avec ça. C'est une révolution de faux profil apparemment. Stella, bonsoir à toi. Stella Giaga, bonsoir depuis toi là. Il y a 180 personnes, encore 20 personnes et puis on commence. S'il n'y a pas 200 personnes, alors on va remettre ce débat. Je suis un homme de parole. J'ai dit je ne fuis pas. Argument contre argument. Voilà. On a eu un échange hier au téléphone avec mon stratège Rosinio Mevaco. Nous sommes pour l'alternance Sekamto. Ils sont pour autre chose. Alors j'aimerais qu'enfin, ils viennent nous dire ce soir qui est leur moto. Bipez-moi qu'on lise Nana. Je vois qu'il y a 200 personnes. Bipez-moi qu'on lise Nana. Puisqu'il est le porte-voix d'une nouvelle basse alternance sans Kamto, alors j'ai dit on le fera ici, débat contradictoire. Si Collins n'est pas là, on remettra ce direct. Le diamant d'Asie, bonsoir. J'ai dit à partir de 200, on commence. Donc, s'il n'est pas là, Collins Nana, on va remettre ce direct. Et puis, il aura l'occasion de le faire avec la stratège Justine Boukam. Diamant d'Asie, champion, bonsoir à toi. Je t'ai vu, je sais. Merci pour les cœurs. Collègue du Dieu, merci. Stéphane Takam, bonsoir à toi. Merci pour les cœurs, merci. Carly Seul, bonsoir à toi. Martine Naoussi, bonsoir. Carlos Idas, bonsoir à toi, mon stratège. Bonsoir. Bon, je vois que Collins Nana, il a fait faux bond. Il a tellement insisté hier, j'ai dit ok, on va se prendre aujourd'hui. Donc, malheureusement, il n'est pas là. Ben, je vais quand même... Je vais quand même commencer ce direct sans Collins Nana. Les hommes des paroles, c'est rare aujourd'hui, de nos jours. Bonsoir, chers tous, bonsoir. La situation aujourd'hui au Cameroun, comme on peut le voir, n'est pas facile. Elle n'est vraiment pas évidente. Carlos Ida, bonsoir. Donc, l'actualité de la Côte d'Ivoire nous prouve encore aujourd'hui à suffisance que le 237 reste notre pied angulaire. Il faudrait qu'on se lève. Il ne faudrait pas qu'on passe notre temps à chanter, à faire des lives. Les Ivoiriens se sont levés ce matin et on a bien compris le jeu, la mascarade de la France derrière. Monsieur Draman Ouattara a dit il y a quelques mois qu'il était fatigué et qu'il ne pouvait plus continuer. On se rend compte aujourd'hui que c'est faux. Le pouvoir, l'ivresse du pouvoir qui a rendu le Cameroun niais, l'ivresse du pouvoir qui nous a exilés. Il est grand temps aujourd'hui qu'on s'aligne devant Maurice Kamto. Il est grand temps aujourd'hui que les Camerounais du 237 comprennent que l'heure du changement a sonné, l'heure de l'alternance a sonné. Nous ne sommes plus là pour rigoler. Et je le dis
Alternance pacifique avec le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun. Alors hier, j'ai eu un débat contradictoire via WhatsApp avec Collins Nana, qui m'a promis aujourd'hui qu'il devait être là, qu'il devait venir débattre. Malheureusement, il a fait faux bond, donc je pense qu'on va remettre ce débat contradictoire et il le fera en direct sur la page de l'Amazon Justine Boucam. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que ça ne va pas. Quand on voit la tête des Cameroun aujourd'hui, ça ne va pas. Quand on voit le Cameroun aujourd'hui, ça ne va pas. Donc il faudrait vraiment qu'on sache sur quel pied danser. On ne peut pas marcher à reculons. Ce n'est pas possible. Nous sommes là pour avancer. Quand on se lève, c'est pour avancer, pas pour reculer. Alors mes jeunes frères du 237, il est grand temps, comme en Côte d'Ivoire, comme en Guinée, comme il y a quelques mois dans d'autres pays africains, de se lever et de se dire d'arracher cette victoire du peuple, d'arracher cette souveraineté-là et s'aligner derrière le président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Absolument. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Il n'est toujours pas là, Collins Nana. Je ne le vois pas. Même ces deux faux profits, je ne vois pas. Bon, peut-être qu'il ne veut pas que ce soit su par d'autres personnes, mais il n'est pas là encore, Collins Nana. Donc, je t'ai dit, il y a 30 secondes, l'actualité aujourd'hui ne nous permet plus de rigoler. Le Cameroun va mal. Cameroun va mal. Les activistes vont mal. Nous sommes là, on se bat depuis presque 2 ans aujourd'hui pour un changement pacifique au Cameroun. Et comme je disais hier à mon frère Collins Nana, le changement au Cameroun, c'est un changement pacifique. Parce que le leader de cette résistance, je dis bien résistance, pas révolution, parce que nous ne sommes pas des militaires, le leader de cette résistance, c'est un monsieur pacifique. Argument contre argument, on devrait débattre là-dessus. Il n'y a pas de militaires dans la diaspora. Il n'y a pas de militaires en France, aux États-Unis, au Canada, pour pouvoir mettre une insurrection au Cameroun. Alors on va s'aligner devant les préceptes même. Ah, je vois qu'il est là. Collins Nana, voilà, il est là. Je vais le prendre. Je vois qu'il est là, Collins Nana. Voilà, je vais le prendre en vidéo. Voilà, j'aime les hommes de parole. Ajout en cours, Collins Nana. Je suis un homme de parole, Collins Nana. Ajout en cours. Ajout en cours, connexion. Quand tu vas. On s'était donné. On m'appelle par toi, me dit. Bien retour. Tu me bloques et tu me dis. La preuve, t'es dans le direct. Je t'ai dit. Je sais pas. Je suis là à bosser. Je veux rentrer à la maison. Tu me bloques. Et on m'appelle pour me dire que tu me cherches encore comment. Je t'ai débloqué. Après, tu es dans ce direct. Je t'ai débloqué. Allô? Il y a un retour qui n'est pas très agréable aux oreilles, Collins Nana. Attends, je regarde le tuteur. Je suis en travaux. Quand tu me dis qu'il fallait me prévenir, tu me prévenais, j'allais, je ne sais pas où on a mis le tuteur à la maison. Et tout, c'est ça que je regarde comme ça, je ne vois pas où est-ce que je suis en travaux chez moi, là, mais ça, mon frère. Quand tu m'appelles, il fallait me dire ça. Écoutez même pas. Écoutez. J'ai seulement des écouteurs, mais quand tu m'appelles comme ça, vraiment. Attends, je vais voir si l'écouteur s'il va marcher, attends. Attends, je vais voir si l'écouteur est branché. Attends, je vais brancher ça. J'espère que c'est chargé. Tu sais qu'il faut que tu parles. Allô, ça marche? C'est bon ou pas? Ouais,
tonton. Ouais, tonton. Tu m'écoutes, Retour. Retour. Est-ce que tu peux baisser? Je ne sais pas si le stress va monter. Attends, je connecte l'écouteur. Hein. Ça va se connecter parce que là, comme c'est. Vas-y. Allô, c'est bon? Ouais, je pense que c'est agréable. Il faut juste baisser le moniteur. Attends, je vais ressortir, je reviens. Ça va marcher. Je ressors et je reviens. Il n'y a pas. Tu me réécris un message, je te prends en vidéo, Colisana, parce que je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas un deuxième téléphone. Tu m'envoies un message. C'est un débat contradictoire. Il n'y aura pas, c'est en direct, non, c'est en live. Donc, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de son à baisser. C'est contradictoire. Tu m'écris un message dès que tu peux. Ok, ça marche. Je viens de voir ton message. Colisana, non, ça ne marche pas, l'invitation. Avec là, tout à l'heure, je t'envoie une invitation. Là, je ne peux pas t'envoyer d'invitation parce que je ne vois plus la vidéo, l'option vidéo sur ton invitation. Il n'y a plus d'option vidéo. Colisana, il n'y a plus l'option vidéo sur ton message. Donc, je ne peux pas te prendre. Je n'ai pas la caméra sur ta vidéo. Tchavouk des grenouilles, bonsoir à toi. Une révolution de faux profils. Colisana, s'il te plaît, le message que tu m'envoies, je ne peux pas te prendre parce qu'il n'y a pas d'option caméra là-dessus. Voilà, là c'est parfait. Je te reprends. À jouer encore. Oui, allô. C'est bon, mais c'est là ou pas? C'est bon, tu m'écoutes? Je ne comprends pas. Nous, toujours, ça marche avec Nino sur le même portable, je ne sais pas. Et quand je mets le haut-parleur, tu me dis que ça... Le son est désagréable. Allô? Allô? Oui, moi je t'écoute. Hein. Je ne sais pas si toi tu m'écoutes. Je t'écoute bien. Là, c'est parfait. Bon, c'est bon? Voilà, c'est parfait. Je développe. Le problème, je sais que toi et moi, on a un grand problème parce que je n'arrête pas de le dire depuis presque un mois. La différence, c'est Camto. Je me suis que tu me prouves le contraire et que tu dises aujourd'hui, en face du monde, sans langue de bois, qui est ton véritable leader dans cette résistance? Il faut avoir le courage de le dire. Mon leader, le seul, c'est le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Je n'arrête pas de le clamer depuis presque 2 ans aujourd'hui. C'est plus que derrière. Et je vois aujourd'hui que tout ce que le mot d'ordre, la mobilisation que le président Kamto lance, vous, ou bien tes amis et toi, vous faites des contre-mots d'ordre. Alors, j'aimerais enfin le nom du président Kamto et de nous dire aujourd'hui, devant les personnes qui nous regardent, qui est ton véritable leader. Parce que juste après faire, on ne peut pas marcher en France, aux États-Unis, au Canada, en Bruxelles, parler, chanter le nom de Maurice Kamto. Et aujourd'hui, parler des villes mortes. Quand on parle de mobilisation,
aujourd'hui, parler de l'achat des armes pour aller financer la guerre au Cameroun quand Maurice Kamto est dans un combat pacifique. Alors, Kolisana, tu n'es pas dans les préceptes du président Kamto. Alors, j'aimerais que tu me donnes aujourd'hui, avec des arguments fiables, pourquoi je te prends la parole. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Partagez d'abord, partagez, parce que ça me fait déjà même un peu rire. Ça me fait un peu rire, mais c'est sérieux. C'est sérieux parce que quand je vois comment la personne était prise dans un direct pour me demander qui est mon leader. Déjà, hein, je vais lui poser la question. Je vais répondre à sa question. Je vais d'abord répondre à sa question parce que j'aimerais comme dans un combat. Peut-être que lui, il s'est levé dans le combat après le 18 mai. Mais j'aimerais d'abord qu'il fouille les archives du combat. Il comprendra qu'il y a plusieurs personnes qui sont levées dans un combat bien avant. Il s'est levé peut-être le 7 octobre. Mais il y a plusieurs personnes qui sont les plus importantes. Kolisana, tu ne vas pas diriger le débat ailleurs. C'est mon direct. C'est moi qui t'ai invité. Mais je te réponds. Tu veux que je te réponde ou pas? Tu réponds à la question sans vouloir diriger. Je ne suis pas là pour savoir que tu as combattu avec Oumniobé ou pas. Je ne veux pas savoir que tu as fait 15 ans de combat. J'ai parlé de 2018. Donc, tout ce qui a été fait avant, ce n'est vraiment pas intéressant. Je te pose la question aujourd'hui, Kolisana. Et ce n'est pas intéressant, mais pourquoi est-ce que tu t'es mis à traiter le caporal Grillet, qu'il est un grand combattant, quand lui nous traite de Wayo Wayo, qui a dit que le caporal Grillet, c'est celui qui partait chasser Paul Biya à Genève. Et donc, ça veut dire que ce que le caporal Grillet a fait, tu ne reconnais pas, ce n'était pas intéressant. Kolisana, je n'aime pas la langue. Oui. Tu es très bien sans ignorer qu'on ne peut pas effacer l'histoire. Ce que et quand je parle fait, de mon histoire, moi, sinon, quand s'il te plaît, tu l'as interpellé, alors je te réponds. Kolisana, s'il te plaît, tu l'as interpellé, alors je te réponds. Ce que quelqu'un a fait, toi, Kolisana, tu ne peux pas l'effacer. Quand moi, la pensée, je ne peux pas l'effacer. C'est resté dans l'histoire. J'ai combattu bien avant, mais quand le pauvre, j'étais admiratif de Kemta, parce qu'il allait à Genève avec une équipe de 3 personnes. Il a tout fait. Personne ne peut occulter l'histoire. On ne peut pas occulter cette histoire. Qui vous traite de Wayo Wayo? Qui vous traite de ça? C'est parce que vous, vous étiez dans un groupe avec Kemta. Parce que vous, vous avez mis en ligne, vous avez mis une fatwa contre le professeur Nyamsi. Parce que vous, vous avez mis une fatwa contre Kamoua Lafontaine. Parce que vous, vous avez mis une fatwa pour choisir un autre leader que Maurice Kamto. Alors quand aujourd'hui, le caporal Grillet sort et dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas vous permettre. Parce que depuis Kolisana, avant 2018, personne ne te connaissait sur la presse parisienne. Avant 2018, on te connaissait dans ton quartier, dans ta famille. Aujourd'hui, tu fais des directs, tu es suivi par 15 000 personnes. Donc, il ne faut pas ausculter la vérité. Tu ne peux pas mettre en doute ce que Caporal Grillet a fait. Je suis le premier à me fâcher contre Caporal Grillet quand on l'a manipulé pour venir faire un direct contre moi. Il a fait, il s'est excité, il a accepté ses excuses. Parce que lui-même, il a dit, j'étais dans un groupe où il fallait combattre tel combattant. Il fallait faire ça. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de mettre en cause. Je ne peux pas me permettre au Kolisana. Je t'interdis. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Il faut respecter les gens qui sont levés. Les gens avec qui vous êtes dans des groupes WhatsApp qui se cassent, on ne les voyait pas sur Internet. Quand tu tapes sur YouTube, on voit Kemta. Mais par contre, tes amis, on ne les voit pas trop. Donc, à un moment, il faut arrêter la mascarade. Kolisana, je te pose une question claire et limpide. Le président Maurice Kamto, tu as utilisé son nom. On a fait les masses à Paris. Tu as dit Kamto, notre président. Aujourd'hui, le président Kamto dit il est dans un combat. Il est dans un combat pacifique. Kolisana, tu parles d'achat des armes. Donc, tu ne suis pas ce que Maurice Kamto a dit. Alors, je te dis, dis-nous qui est ton leader aujourd'hui. Kamoua, je vais te dire une chose. C'est toi qui m'invites, c'est toi qui m'interpelle dans ton direct. C'est toi qui demande qu'on m'appelle. Et quelqu'un m'a appelé pour me dire. Est-ce que Kolisana, est-ce que hier on n'a pas eu une discussion? Pas hier, aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon, oui. Est-ce qu'on n'a pas eu une échange? J'étais dit, on se prête à 21h. Donc, ne me prends pas pour un menteur. Alors, il est 21h passé. Très bien. La question est simple.
Oui. Maurice Tamto a dit mobilisation, je suis dans un combat pacifique. Mmh. Est-ce que tu peux te rappeler un seul mot, la souillure? Est-ce que la souillure, ça te parle? Non. La souillure, ça ne te parle pas? Alors, c'était au retour d'Addis Abeba quand le professeur Maurice Tamto a condamné tout ce que nous, activistes ici, on a fait dans la diaspora. Mmh. Il a dit la souillure parce qu'il a condamné ça. On a tous dit sur nous. Donc aujourd'hui, si tu considères Maurice Kamto comme le leader de la révolution au Cameroun, comme le leader, comme la voix du peuple, comme l'espoir, j'aimerais que tu dises aux 200 personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui est ton leader, Koulizana? Qui est ton leader? Est-ce que tu peux me permettre de parler? Je suis tout de suite. Tu peux me permettre de parler? Je t'ai répondu, je suis tout de suite. Polisana, je parle en français. Je viens de te dire, je suis tout de suite. D'accord. Donc, je vais te dire, comme tu reviens sur toi du caporal grillé, j'ai tout simplement parlé du caporal grillé parce que tu as dit que ce qui s'est passé avant, ça ne t'intéressait pas, ça ne servait à rien. C'est là où j'ai fait une parenthèse. Mais tu t'es pris à tous tes états. Mais pourtant, c'est toi qui es revenu dessus, c'est pas moi. Donc, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, c'est quoi? C'est que quand tu es en direct avec quelqu'un, et quand tu poses la question, tu dois au moins lui laisser le temps de pouvoir te répondre. Si ta question, c'est un oui ou c'est un non, tu me dis... Polisana, je te pose une question. C'est qui ton leader? C'est toi, mon leader. Non, jamais. Je ne représente rien du tout. Polisana, nous avons fait les masses à Paris. Je reprends pour ceux qui viennent, pour ceux qui veulent entrer dans le direct. Polisana, pour ceux qui viennent entrer dans le direct, nous avons fait les masses à Paris. On a fait des manifestations à Paris. On a dit c'est Tamto notre président, on a chanté, on a argué pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, quand Tamto dit mobilisation, quand Tamto dit la souillure, quand Tamto dit je suis pour un combat pacifique, toi, Koulizana, avec ta bande, vous parlez d'achat d'armes. C'est qui donc ton leader? Et quand Tamto dit prenez vos responsabilités, il parle à qui? Que si je meurs, continuez le combat et libérez-vous. Il parle à qui? Écoute, moi, Colise, je ne suis pas un suiveur. Pas de langue de bois, Colise Nana. C'est un débat ouvert. Je ne suis pas un suiveur. Je n'ai pas besoin de crier tous les jours Kamto, Kamto, pour avoir des vues ou mener mon combat. Mon combat, c'est pour le Cameroun. Tu comprends très bien. Que ça t'intéresse ou pas, toi et ta banque, je vous le dis encore et je répète. Bon, mon je combat, suis d'accord. Ton combat, c'est pour le Cameroun, Colise Nana. Le combat, c'est pour le Cameroun. Est-ce que toi et moi, est-ce qu'on peut être d'accord sur une seule chose? Est-ce que toi et moi, on peut être d'accord que le président Kamto, c'est l'homme, c'est l'espoir du Cameroun? Parce que tous les jeunes au Cameroun ont espoir quand une seule personne, le président Kamto. Aujourd'hui, Colise Nana, je suis même très content que tu dises ton combat, c'est pour le Cameroun. Mais le Cameroun représente qui? Le Cameroun représente le peuple qui souffre. Koulizana, est-ce que tu te rappelles, Koulizana, qu'au début de Cameroun Survival, M. Atangaji a fait des pieds et des mains pour essayer de suspendre cela. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'alternance, que Cameroun Survival est la solution. On a eu le riz qui a été détourné. Le président Kamto aujourd'hui, tout ce qui se passe dans tous les hôpitaux, il y a même des villages qui sont en train de supplier survivre Cameroun, parce qu'au départ, Atangaji avait fait bloc contre pour dire non. Est-ce que quand tu vois quelqu'un qui a l'adhésion du peuple, quelqu'un qui a un projet constructif comme celui-là, tu penses aujourd'hui que vos leaders cachés peuvent faire un rassemblement à Douala et qu'il y ait 100 personnes? Tu sais, je vais te dire un truc à moi. Tu peux beau raconter où tu veux, faire même 50 000 posts, 50 000 directs pour dire que nos leaders cachés. Je vais te dire une chose. Donne-moi le nom de ton leader, Polisana. Je suis mon propre leader pour le Cameroun. Je suis mon propre leader. Et j'ai décidé de prendre mes responsabilités pour le Cameroun. Polisana, tu ne peux pas rester à Paris et dire que tu es ton propre leader. Est-ce que tu es militaire? Est-ce que tu as fait une formation militaire, Polisana? Parce que s'il fallait le faire, Polisana, tu ne serais pas assis chez toi à Gonesse. Je pense que tu serais aujourd'hui à la frontière du Cameroun avec la RCA. Tu serais à la frontière du Cameroun avec le Tchad. Tu serais à la frontière du Cameroun avec le Congo pour assumer tes responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes dans une résistance, Koulizana, où les mots ont une certaine valeur. Oui. C'est très beau
de rester oui. chez toi. Te dit, oui. tu m'appelles le professeur du Don Quata, de raconter des élucidations qui n'ont pas de sens, de t'attaquer au professeur Nyakali, aujourd'hui, de t'attaquer au combattant Kemta. C'est trop facile, Colin Nana. Donne-nous le nom de ton leader. Comme ça, c'est carré. Donne-nous le nom de votre leader. Je suis au courant que vous parlez avec Dieu Kam Kameni. Je sais que vous parlez avec Dieu Kam Kameni. Mais je peux vous dire aujourd'hui que Dieu Kam Kameni a été mis en nu. Dieu Kam Kameni ne peut pas être une solution pour le Kam. Parce que c'est un guide. Parce que c'est l'objet du système. C'est une fabrication encore du système. Donne-nous le nom de ton leader, Colise Nana. Je sais que vous avez perdu, toi tu as perdu la vérité. Tu t'accroches derrière le nom de Kamto pensant que le MR c'est où les sympathisants qui sont sur la droite peuvent avoir des sympathies pour toi. Mais moi, bon, Colise Nana, tu étais à Bruxelles récemment. Tu étais à Bruxelles récemment. Vous avez fait votre one man show à Bruxelles, mais c'est nous qui avons parlé avec le premier ministre belge. Et qui est en recherche de visibilité? Est-ce qu'on en a fait des bruits? Pas besoin. Parce que ce n'est pas le show. Vous avez fait votre one-man show. Vous avez voulu refaire une manifestation le lendemain. Si Stéphane Tchambou ne vous avait pas arrêté, parce que vous avez tout envoyé les messages dans les groupes WhatsApp, est-ce que j'ai, mon équipe et moi, nous avons été reçus par le premier ministre belge? Et je te donne ici, en exclusivité dans ce direct, dans deux semaines, nous serons reçus dans les bureaux du premier ministre belge. Qui est en recherche de visibilité, Colise Nana? Genève, moi, tu veux qu'on en parle un peu de Genève? Colise Nana, tu veux qu'on parle un peu de Genève? Tu veux qu'on parle un peu de Genève? Genève que vous avez boycotté. Genève que vous avez boycotté. Qui est en recherche de visibilité? Tu m'as interpellé pourquoi? Je t'interpelle pour que tu nous dises enfin qui est ton leader. Arrêtez donc de prononcer le nom de Maurice Kamto. Arrêtez de prononcer le nom de Maurice Kamto pour vous faire voir. Kamto, tu as la propriété intellectuelle sur le nom de Kamto. Je n'ai plus de propriété. Kamto, ce n'est ni mon père. Kamto, ce n'est ni mon père, ni ma mère. Vous utilisez le nom de Kamto pour aller à contre-courant de ses idées. C'est ça que je combats, Colise Nana. Vous utilisez le nom de Kamto. Colise Nana, vous utilisez le nom de Maurice Kamto pour aller à contre-courant de ses idées. Et c'est pour ça que je m'offusque. C'est pour ça que mon équipe s'offusque. C'est pour ça que Kouale s'offusque. C'est pour ça que la reine, la milliardaire suisse, José Kenanké, dans ses directs, s'offusque. C'est pour ça que toutes ces personnes-là, c'est pour ça que Pouza s'offusque. C'est pour ça que la... Colise Nana, c'est un échange. Il n'y a pas de gros mots dans mon direct. Jusqu'à preuve du contraire, on peut utiliser les gros mots. Je ne me permettrai pas de te manquer de respect. C'est un débat. Pas de gros mots dans ce débat. Tu ne débats pas. Tu ne laisses pas quelqu'un parler. Tu appelles quoi débat? Je suis tout de suite, Colise Nana. Tu ne débats rien. Je te pose une question. Tu n'as pas répondu. C'est qui ton leader, Colise Nana? Dans quelle position tu te trouves? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas libre. Comment? Parce que tu parles seul. Tu cries. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand tu veux débattre. Colise Nana, je viens de te. Poser comme question rien parce que je veux te répondre, tu cours dans tous les sens. Tantôt tu es fichéné. On recommence. Colise Nana, bon, attends, on recommence. On va faire les choses calmement. Je pose une réponse. Bon, voilà. Ouais. On recommence. Ouais. On a fait les manifestations à Paris. On a passé le temps à chanter comme ton autre président, comme ton autre président, comme ton autre président, comme ton autre président. On l'a fait pendant presque 2 ans. Ouais. Aujourd'hui, le président Kamto dit mobilisation, vous dites vie morte. Le président Kamto dit pacifique, vous dit il faut prendre les armes. Alors, vous suivez le nom du professeur Maurice Kamto pour aller à contre-courant de ses idées. Alors, je pose une question simple. C'est qui ton leader? Mon leader, c'est le Cameroun. Est-ce que ça t'arrange? Non, tu réponds. C'est même pas question de m'arranger. Mon leader, c'est le Cameroun. Je te le dis. Et je l'ai toujours dit dans mes directs. J'accompagne le président élu. J'encourage le président élu. J'apprécie les actions du président élu parce qu'il est le seul homme qui s'est mis face à la dictature de Paul Biya. Mais le président élu ne me dicte pas ce que je dois faire parce que je suis d'abord, je me libère d'abord moi-même et je suis libre. Donc je mène mon combat
pour le Cameroun en accompagnant tous ceux qui mènent le même combat que moi pour la libération du Cameroun. Comme le ok, j'ai compris ta réponse. Est-ce que tu peux me permettre que je t'ajoute? Aujourd'hui, tu dis que ton oui. leader, c'est le Cameroun. Alors que tu as oui. passé presque 2 ans à chanter comme ton autre président. Quand Kamto dit, quand, écoute-moi, laisse-moi finir, tu vas l'ouvrir la parole. Quand tu as passé 2 ans à chanter comme ton autre président, et quand Kamto dit, je suis dans un combat pacifique, le lendemain, tu vas dire, ville morte. Le lendemain, tu vas dire, il faut qu'on achète les armes. Ça ne va pas contre courant de celui qui tu as dit que c'est ton leader. Tu veux que je te réponds maintenant? Je t'écoute, je suis tout de suite. On comprend très bien. Nous étions au départ dans un combat pour le hold-up électoral. Le hold-up électoral n'est pas terminé. Le hold-up électoral, c'est un processus qui reste au niveau de la... J'adore ce que tu as dit. Tu as dit nous étions. Laisse-moi parler. Tu as bu combien d'alcool aujourd'hui? Mais laisse-moi parler, tu m'invites. Je veux parler, tu ouvres la parole. Moi, je n'ai pas besoin de crier. Moi, je veux parler pour que les gens puissent comprendre. Tu veux m'écouter, alors tu me donnes le temps que je parle, que tu m'écoutes. Tu ne me coupes pas la parole. Quand tu parles, là, je suis tout tué. Hein. Je ne parle pas, je t'écoute. Développe. Voilà, donc, je te le dis et je répète. Après la campagne électorale, après l'élection, va sur ma page. C'est le 10 octobre, je dis bien le 10 octobre 2018, que j'ai apporté mon soutien. Après la sortie du président élu, le 8 octobre au soir, on dit qu'il avait gagné les élections. Et c'est à partir du 10 octobre que j'ai fait mon premier direct pour accompagner et encourager le président élu en disant que nous devons défendre sa victoire, coûte que coûte, bec et ongle, jusqu'à la fin. Donc il faut bien comprendre une chose. Je n'étais pas pour le président élu ni du MRC avant les élections présidentielles. J'ai toujours été pour le Cameroun. Donc pour parler sur toutes mes publications, sur toutes mes pages, j'ai créé l'association, le mouvement qu'on appelle ici Ensemble, que je l'ai fait en 2016, Ensemble pour la liberté et la démocratie au Cameroun. Donc je ne l'ai pas fait pour le MRC ni pour okay, le président. Ok, donc, Colin, Anna, tu as répondu. Tu as répondu. Donc tu es pour le bon. Ok, Colin, tu as répondu. Tu as dit que tu es pour le Cameroun. Colin Nana, tu as répondu. Tu as dit que tu es pour le Cameroun. Colin Nana, tu viens de dire. Tu viens de dire avant. Colin Nana, s'il te plaît, parlons en ordre. Tu as parlé. Ne monopolise pas la parole. C'est mon direct. Tu as dit que tu es pour le Cameroun. Mais je veux aussi dire quelque chose. Cabral Libye aussi, il a le même mot. Il a dit je suis pour le Cameroun. Dieu Kam Kameni, qui est une fabrication du système BIA, a dit qu'il est aussi pour le Cameroun. On peut arrêter de rigoler, on peut être un peu sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020 ou 2020, on peut se mettre en direct et dire « Je suis pour le Cameroun, Colizana ». Sincèrement, qui n'est pas pour le Cameroun? Dis-moi, qui n'est pas pour le Cameroun? Colizana, laisse-moi finir, s'il te plaît. Qui n'est pas pour le Cameroun, Colizana? Tout le monde est pour le Cameroun, mais avec des chemins de travers différents. Je t'ai posé une question claire et nette. C'est qui ton leader? Parce que si tu considères que le président comme toi, laisse-moi finir, non? Comme une nana, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de dire qu'avant je soutenais. Quand moi, je vais demander au président élu qui est son leader. Il est Camerounais comme moi. Non. Il est le leader. Colizana. Arrête-moi ça. Colizana. La question est simple. Tu as chanté pendant 2 ans, comme ton autre président. Aujourd'hui, comme te dit. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Bon, aujourd'hui, il dit qu'il est dans un. Il est dit. Je parle en français, je ne parle pas en patois. Je dis bien, comprends très bien. J'encourage le président élu pour sa bravoure, pour sa détermination sur la cause du Cameroun et non sur sa cause lui-même. Ok, je suis d'accord. Là, on est d'accord, Colinana. Aujourd'hui donc, Colinana, s'il te plaît. Aujourd'hui donc, quand le président Kamto, que tu dis que tu encourages, le président Kamto, que tu dis qu'il encourage, il te dit qu'il n'est pas pour l'achat des armes et que tu passes en direct pour dire qu'il faut acheter les armes. Est-ce que c'est normal? Ne me coupe pas, c'est ce que j'allais te dire. Quand tu me coupes, tu arrives à enfuir les gens. C'est ce que j'allais te dire. Je te dis bien et je répète. J'encourage le président élu. J'accompagnerai le président élu. Si le peuple se lève demain nous sommes samedi. Si le peuple se lève demain samedi, par le mot d'ordre du président élu, pour le mouvement pacifique, la révolution, c'est la résistance pacifique, je serai avec eux. Je vais l'accompagner. Mais à partir du moment où le peuple ne se lève pas, je suis Camerounais
et j'ai le droit de prendre mes responsabilités pour le Cameroun qui est mon pays. Je n'ai pas besoin d'attendre que qui que ce soit vienne me donner des ordres de ce que je vais faire pour mon pays. Donc je me bats pour mon pays. Alors j'ai décidé avec ceux avec qui on travaille qu'à partir de maintenant, nous allons entrer dans une révolution armée. On le dit, on le répète, on ne se cache pas. On le dit, on le répète. Donc on comprend très bien. Nous avons décidé d'entrer dans une révolution armée parce que l'objectif c'est le chassement de Paul Biya. Et nous allons chasser Paul Biya. Mais si par contre, vous, avec le président, Colline Nana, on t'a écouté. Ouais, Colline Nana, c'est mon direct. S'il te plaît, on t'a écouté. Tu es dans une révolution armée. Et tu vois donc que c'est contradictoire. Je reprends ma question. C'est qui ton leader? Parce que... Laisse-moi finir, non, Colline. Je t'ai écouté pendant 2 minutes. Colline Nana, je t'ai écouté pendant 2 minutes. Souffle-moi, m'écoutez. Voilà. Alors, je suis en train de dire. Je sais que vous avez été approché par Dieu quand vous avez... Toi dit, il est dans une. Le professeur Moïse Kamtoua dit, il est dans une révolution pacifique. Vous avez été approché par Dieu Kamkamenou, qui a voulu manipuler les gens. Colline Nana, il faut être réaliste. Tu ne peux pas faire un direct avec quelqu'un qui a bu. Tu parles, tu tubes, tu ne parles que les mêmes choses, tu répètes les mêmes choses. Je suis moi. Vous êtes Colline Nana. Colline Nana, il faut être réaliste. Je n'arrête pas de le dire. Il ne faut pas tromper le peuple. On ne peut pas utiliser le nom de Moïse Kamtoum, chanter pendant 2 ans, Kamtoum mon président, quand Kamtoum dit, Colline Nana, tu peux revenir, hein? Tu reviens, moi j'ai dit c'est un débat ouvert. Quand Kamtoum dit, je suis pour une révolution pacifique, je t'ai dit un mot tout à l'heure. La souillure, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Tu ne sais même pas, tu n'es même pas cultivé. La souillure, Colline Nana. On a tous pris ce mot-là, dans la bouche, comme on dit. En France, on dit dans la gueule. On l'a tous pris, on a accepté, on a dit, OK, si on a un leader et qu'on supporte ce leader-là, on est obligé aujourd'hui de suivre ses directives. Toi, tu parles des villes mortes. Tu parles d'achat d'armes en restant à Paris. Reviens, Colline Nana. Ce n'est pas normal. C'est trop facile aujourd'hui de rester parce que vous avez été approché par Dieu Kamkamini. Parce que les gens vous ont manipulé. Vous voulez absolument isoler Moïse Kamtoum. À qui vous avez chanté pendant des mois, Kamtoum, notre président. Aujourd'hui, vous êtes en perte de vitesse. Il faut attaquer tout le monde. Il faut attaquer Niamsi. Il faut attaquer Kemta. Aujourd'hui, tu dis, en moins de vision, qu'il faut prendre les armes. S'il faut prendre les armes, dis-nous carrément qui est ton leader. Parce que Moïse Kamtoum n'a jamais prôné l'achat des armes. Tu es en train de vouloir nous manipuler. Je vous ai dit, votre groupe ne va pas prospérer. Ah, il serait vraiment honnête et honorable de votre part de faire un direct, de dire, OK, aujourd'hui, nous sommes avec Dieu Kamkamini, nous sommes avec Cabral Libi. C'est ça, il fait tout franc. Moi, je l'affirme, je le dis, mon équipe l'affirme, nous sommes avec Moïse Kamtoum, nous sommes dans une résistance pacifique. On ne peut pas rester à Paris, prôner l'achat des armes. On ne peut pas rester à Gonesse où tu habites et dire oui, il faut qu'on achète les armes, il faut faire les ans, ça. Non, et utiliser le nom de Moïse Kamtoum. Moïse Kamtoum n'a jamais dit d'aller acheter les armes. Alors dites-nous qui est votre leader. Dieu Kamkamini vous a approché, on le sait, parce qu'il a fait poteau avec nous. Alors je te le dis donc, Colline Nana. Fais un direct et tu dis aux yeux du monde qui vous manipule, qui est en train de vous détourner. J'ai dit Moïse Kamtoum, je suis constant. Je suis constant, Colline Nana, et je ne vais pas changer. La souillure, ce n'était pas que pour toi, c'était pour tout le monde. Et même moi, j'ai pris ça pour moi. Mais après, on se recadre. Parce que la pensée n'est pas statique, elle est dynamique, elle évolue avec le temps. Et quand on a un leader, il faut le respecter. Colline Nana, tu fais un direct, tu dis aux yeux du monde, il y a 420 personnes qui nous regardent, tu dis, qui est ton leader? Mon leader, c'est Moïse Kamtoum. Le leader de José Kenan, c'est Moïse Kamtoum. Le leader de Karine Gambé, c'est Moïse Kamtoum. Le leader de Rosigno, c'est Moïse Kamtoum. Le leader de Blandine Ouanin, c'est Moïse Kamtoum. Parce que nous sommes dans ces résistances pacifiques. C'est pour ça que je ne vais pas dire, c'est le Cameroun, mon leader. C'est faux. Tous les Camerounais sont avides, assoiffés de changement. C'est pour ça que je le dis, et je le redis encore, l'alternance au Cameroun, c'est Moïse Kamtoum.
Allez dire à vos dieux comme Tamini de faire une marche au Cameroun. Allez dire au Cabral de faire. Avec l'opération Cameroun Survival, tu ne comprends pas que c'était quelque chose de pensée réfléchie. Même ceux qui étaient contre. Aujourd'hui, on voit les policiers en train de supplier pour avoir des ailes. On voit les hôpitaux en train de supplier alors que le même Atanganji avait tout fait pour saper cette opération. C'est ça la communication. Des fois, quand je dis l'école est bien, ce n'est pas que j'insulte ceux qui n'ont pas été à l'école, mais il faut prendre le temps d'écouter, d'analyser, de voir objectivement. Aujourd'hui, quand on parle Cameroun, c'est Maurice Kamto. Quand on tape Cameroun, il y a Maurice Kamto qui suit sur Google. Aujourd'hui, vous le nous faites croire que quelqu'un qui a fait 9 mois de prison dehors au Cameroun, qui sort, qui parle de la souillure, vous voulez encore aujourd'hui aller à contre-courant de ses idées en disant que vous le supportez. Non. Sortez de vos gants. Je voulais te pousser à bout que tu dises aujourd'hui. Je voulais te pousser à bout que tu dises aujourd'hui en pensant que tu auras le courage de nous dire qui est ton leader. Tu commences à t'attaquer à Kemta. Kemta, que hier, tu es au Riolet. Tu t'attaques à Kemta parce qu'il a dit « Je suis pour Kamto ». Mais vous ne nous dites pas qui est votre leader. Prenez vos corollaires et dites-nous qui est votre leader. C'est ça qui nous intéresse. Et quand vous aurez dit qui est votre leader, arrêtez de prononcer le nom de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a jamais prôné l'achat des armes. Maurice Kamto a toujours dit la souillure. Je suis dans un combat pacifique. On ne peut pas dire aujourd'hui, hier j'étais pour le hold-up électoral, aujourd'hui tu n'es plus. Fais donc ton direct et tu nous dis qui est ton leader. On ne nous manipule pas. Car voilà, les dieux camis vont tous approcher, on les a envoyés balader. Tous. On n'a pas besoin. Toutes ces personnes doivent s'allier derrière Maurice Kamto. C'est l'espoir du Cameroun. C'est le peuple camerounais qui se résume en Maurice Kamto. C'est la réalité qu'on lit en là. Tu l'as vu ici à Paris le 1er février. Tu l'as vu au retour du Cameroun. Quel meeting peut mobiliser autant de personnes? Est-ce que la question même devrait aujourd'hui se poser? La question devrait se poser, Kolizana. L'alternance au Cameroun, c'est Kamto. Et il a dit, dès que la guerre n'est pas terminée au Nord-Ouest, dès que la refonte totale du code du système électoral n'est pas réformée, n'est pas faite, il n'y aura rien au Cameroun. Et tu le sais, Kolizana, il faut arrêter d'avoir la langue de bois. On ne peut pas s'attaquer à tout le monde en pensant qu'on a la science infuse. À un moment, il faudrait s'arrêter, faire une introspection et se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je peux aller à gauche ou à droite ou je peux reculer. C'est ça. On ne peut pas avoir une pensée statique. Elle est dynamique, elle évolue avec le temps. Elle évolue en fonction des situations. Alors je dis aujourd'hui, je suis pour l'alternance, c'est Kamto. Pas avec d'autres. L'alternance, c'est Kamto. Prouve-moi le contraire. Ramène-moi les arguments. N'embrouille pas les gens. Arrêtez de vous attaquer aux gens. Niamsi en a souffert. Aujourd'hui, c'est Kemta qui est avec vous. Pour la simple raison qu'il a dit, l'alternance, c'est Kamto. Aujourd'hui, Colin Anna, tu viens à Monde Vision insulter le travail que Kemta a fait. Non. À un moment, il faut prendre un peu de recul. Il faut prendre un peu de recul et se dire, peut-être que si tout le monde nous quitte, si Valdez, qui est avec vous en Allemagne, vous a quitté, si Christian Djoko, qui est avec vous en Allemagne, vous a quitté, si Stéphane Tchambou vous a quitté, si Zumanto vous a quitté, si Kemta, le caporal Kemta, vous a quitté, à un moment, il faut se remettre en question. L'alternance, c'est Kamto Kolizana. Et voilà. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas eu les corollaires de nous affirmer, de nous dire aujourd'hui que vous avez été approché par Dieu comme Kamini. C'est ça où je voulais en venir. Tu n'as pas eu les corollaires pour le faire. Mais je vous dis, l'alternance est Kamto Kolizana. Je profite des 400 personnes qui sont là pour avouer une autrice. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment pas très, très joyeux parce que vous êtes sans oublier que notre combattant solo a perdu sa maman il y a quelques mois et que demain, à Paris, il y a une grande veillée qui va s'organiser. Demain, à Porte des Pantins. Donc, pour tous les Parisiens qui se connaissent, qui reconnaissent à l'église des Pantins. Donc, aujourd'hui, j'étais en symbiose. Et comme on dit, je suis parti au Lacam pour pleurer ces morts-là, pour demander à nos ancêtres de nous guider. Je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de me cacher, je ne suis pas un chrétien. Je suis un kémite. Je suis
un panafricaniste et je respecte le culte de nos ancêtres. Donc, j'ai pris 2 heures aujourd'hui pour me mettre en face avec l'âme de la mère de Solo. Donc, toutes les personnes vaillantes qui sont sur Paris et qui auront une minute, rendez-vous massivement demain à la veillée de notre frère et combattant Solo qu'on ne présente plus. Parce que c'est aussi ça l'âme de la solidarité, c'est aussi ça l'âme de la fraternité, c'est aussi ça l'âme de la résistance. Donc, je vous dis à tous, toutes les personnes qui sont en région parisienne, si vous pouvez avoir une minute demain, c'est demain samedi, passer ce moment de pleurs, d'osmose, de communion avec notre combattant et frère Solo, ça va être quelque chose de génial. C'est demain, à partir de 19h, à Porte des Pantins. Donc, ceci étant dit, je vous remercie. Seulement, je ne suis pas totalement fier parce que Colin Anna a fini par s'enfuir et il nous a pas dit qui est son leader. Je n'arrête pas de le dire. Je n'arrêterai pas de le dire. L'alternance, c'est Maurice Kamto. Roselyne, on n'arrête pas de l'écrire. L'alternance, c'est Maurice Kamto. Il n'y aura pas deux alternatives au Cameroun. Justine Boukam n'arrête pas de le dire. Blandine Noinet n'arrête pas de le dire. Mon frère Kwale n'arrête pas de le dire. Stevie Sam n'arrête pas de le dire. L'âme Winnie Mandela de la Révolution, Karine Gabel n'arrête pas de le dire. L'alternance, c'est Maurice Kamto. Donc, on ne peut pas aujourd'hui. Ono, la Mafeu, pareil, n'arrête pas de le dire. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas chanter, usurper le nom de Maurice Kamto et aller à contre-courant de ses idées. On ne peut pas. Kamto ne peut pas dire aujourd'hui, mobilisation, tenez-vous prêts, et les gens sont en train de dire, on va acheter les armes. Non, c'est niette. On ne peut pas cautionner ça. Alors, dis-nous aujourd'hui, prenez vraiment vos corollaires et dites-nous qui est votre véritable leader. Parce que quand tout le monde quitte quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas aux gens de se remettre. Quand quelqu'un qui n'a pas d'amis, ce n'est pas les autres qui ont le problème. Mais c'est lui peut-être le problème. Donc, prenons toujours un peu de recul, prenez un peu le temps de faire une introspection. Je n'ai pas la science infuse, mais je suis juste constant dans mon combat. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir à côté de moi des personnes réfléchies, des personnes qui pensent au-delà de Camois et qui disent « l'alternance est Kamto ». Vous avez vu à Bordeaux l'accueil. Et je profite encore ici, comme la brave Amazon, Justine Boukam l'a dit, les polos, l'alternance est Kamto, on ne le vend pas. Vous avez eu le motif, l'alternance est Kamto, vous l'imprimez, vous distribuez à vos groupes. Oui, on ne vend pas. On n'est pas là pour faire un commerce. La résistance n'est pas le commerce. Vous avez le motif, vous imprimez, vous mettez, vous partagez à vos groupes. Il y a un week-end panafricaniste, il est 22, le 23 août, je pense, on sera avec les mêmes polos, la tenance et Kamto. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas aujourd'hui se mentir. On ne peut pas chanter Kamto présent, et après pour venir dire, on va chuter les armes. Non, Colisana, non. Votre groupuscule avec les partis Nouma, c'est démasqué avec les dieux Kamtchameni. Je vais même te dire, Colisana, Dieu Kamtchameni était à Washington pendant le game over. On l'a senti venir. Mais il n'y aura pas moyen. Il a voulu manipuler sa majesté, le roi Sokoudjo. Ça n'a pas prospéré. Vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un qui fait la communion de tout le monde, vous ne pouvez pas nous manipuler, Colisana. Ça ne marchera pas. Et je tenais aussi à dire merci au caporal Grillé. Bonsoir à toi, Mao. Voilà, Mao vient le dire, l'alternance est Kamto. Il n'y aura pas. Ça ne se négocie pas, ça se discute, ça s'impose. C'est naturel. La seule personne capable aujourd'hui de lever du monde au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Comme mon frère Yabi, le tuyau, vient de dire, Ayop Kamto, Ayop, Ayop, c'est ça. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui que même les Sardinas font des directs pour louer Maurice Kamto, pour dire ceux qui combattaient Maurice Kamto il y a un an, pour dire c'est l'homme de la situation au Cameroun. Et vous, soi-disant combattants, vous utilisez le nom de Kamto pour aller à contre-courant de ses idées. Sur Fombap. Donc, Koinana, je le dis, j'insiste, l'alternance est Kamto. Si vous avez des corollaires, prenez le temps de dire aux gens qui est votre leader. C'est ça la réalité. Mon leader, ce n'est pas le peuple. Parce que le peuple a besoin d'un leader. Le peuple en souffrance a besoin d'un espoir. Et l'espoir du peuple, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. Et c'est ça la réalité, Colisana. L'alternance, c'est Kamto.
Bonsoir.